Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, réunion des ministres de défense de l'EAC à Nairobi. Boyo Kabandeko Bemba live. Petoko développant une émission à Bisso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Mwanga Chouchou, l'homme fort de Kagame, condamné. Boyoka live en direct Bandeko. Et puis Tokoloba, si Nanga en exil, Boyoka, Oyo Nanga bimisi en exil Bandeko. Maratro. Alors, tous à la connecter, Petoko développant une émission à Bisso. Et puis, troisième point, la revanche Bandeko de M23 l'Est après des sanctions, après les sanctions américaines. Et puis, liste des sanctions en Rwanda, alors suivez la revanche de M23 à l'Est. Tout sera connecté, peut-être développer une émission là-dessus. Chers téléspectateurs, émission là-dessus, Bandi, Boyeb Sabaninga Nyon, c'était Erangwe Kouki. Bande Kotoko Banda, émission absolue directement Toko Kena Nairobi et Pai Wapi, réunion Yaba ministre de la Défense ya EAC. Bemba, Azaraki présent, Zwaki Pema Loba, pour Nandeni ba travailler ensemble, na niveau ya EAC, pour na Kimia pe dans la région. Bande ko, EAC ne bandeli, to banda kana bango mpe bien, mais EAC, bah eko baby sa parce que bah eko mona été bah M23 bazapenda batuna bango donc Kagame na bango vrai batuna bango. Alors en ce point et au commande point que EAC a commencé à dévier ma kamusu sur oyo bah yokanaki, c'est pour cela que na bango basa kokini, mais kuna eza pona future na bango ko zalandenge nini, est-ce que vraiment futur et causal. Pourquoi tu zolo babou? Et à cet côté, qu'on est là qui dossier moko économique. Tolanda très bien. Dossier économique, yande y a un même qui biso, to kota na EAC ba conseil à Fachi, ba conseil Mokondi, et ba ba de kona se belle ba sala ba faire na niveau est, ba du moins kou le kanya pa de pepi, et yem ministre affaires étrangères a expliqué qui a. Le Tundola l'avait très bien dit que. Et ça pour nous. Et puis, Patrick Mouyaya a expliqué un peu. Bon, et comment, et comment, ma kaba sécurité na bisoba ya na est. Et ça, si demande à ya RDC. Comme Fatima va conseiller, va pécer conseil, non, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Mais le début a été bien. Parce que jusque là, Bazaki n'a remetté ya à est. Et Bandika le baye pas na bisou. Et qu'on pense à mon bourke, notre sang, on a peut-être aux anards, mais moko, il y a S, n'est-ce pas, Sadek Bazali. Mais Bango Bazala qui n'a moti, tout à la clé. C'est à partir de ma camp, on a S, n'est pas banda qui boule, on a, y a un nez, et même qui bamba y a la S à EDC. Bah, il y a S, bah, comme n'a pas, on n'est-ce pas, moko n'a pas Rwandais, les coopérations, et en tout ça, bah, qu'on va mélange, ma solo, n'a pas inventé. Alors, cop, en gros, il faut arrêter. Bisso, donc, qui t'y mis sur la SADEC. Et maintenant, parce que je vais continuer à Bango. Le ministre de la Défense va écouter à Bango Nyonso. Naya Rwanda. Va écouter à Nairobi. Va recevoir la sûre. Neni va mener la sécurité dans l'Est. Na kati na Bango wana. Et ça, na bao va cause vraiment la posséder les 6 pays. Tous en la sécurité, moko ensemble. Mais ça, na va moussou baza wana. Ba on ba na boulou anati. Ba on a boulou ka keto sangani bisuto ba ka kopie EDC. Mais total anande ma kango e leka ki na Nairobi. E koma bemba zwa ki pe message. Ya malamu, ya bien kande to zala. En commun. Donc a touche ki ke koutou ba makambo ba inventro de. Non a louba e kande ni to ko maintenir sécurité. Total. Bandeko. Ba ministre ba kutanaki, ba ministre nyonso ya défense ya EAC nde bozo mona bango. Makamu nyonso elekaki na Nairobi, et puis boko yoka oyo bemba lobi.
wana obazore metri bimba. Pona ngai ezali ka kibo. Oyebiso sali muninga mabe. E koma ler mwe komo sala bango pasi. Parce que ba yebi très bien mission na bango ezala ki yanguti. Jusqu'à ce que ko change commandant e asi yasika obozo mona wana. Mais il no ba sali biso pena malamuti. Bimba zegi message moko kaya malamu. Na ba pays wana nyonso nde buzo mona. Alors, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a activement participé à la réunion extraordinaire des ministres de défense des pays membres de l'Est, East African Community. Cette rencontre s'est tenue le 24 août, c'était hier à Nairobi, la capitale du Kenya. L'événement qui a réuni les principaux responsables de la RDC des paiements de l'EAC pour objectif de renforcer la coopération en matière de sécurité régionale. Les discussions ont porté sur différents aspects tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières et la promotion de stabilité dans la région. Nasi na poana na masolo ya nkuku bemba tika kuyebisa ko ba vérité ti. Pour bango ba yebi bien que baza ko kendi. Mais j'en suis sûr, même officiellement, il y a un lobby qui va se faire qui s'est stabilité la région, Makamuya, Rwanda et l'Obamaki. Oyo Rwanda, Azo Salabiso. Les supplétifs, il y a un 23. La participation active du vice-premier ministre Bemba témoigne l'engagement de la RDC à contribuer aux efforts visant à garantir la paix et la sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. Son expérience en tant qu'ancien combattant et son rôle majeur dans le gouvernement congolais font de lui un acteur clé dans la recherche de solutions durables pour les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Ba lobiawa que Bemba azala ki pe na makambo oyo ya rébellion. Alors, comme azaki kuna azaku ide ndenge nini ba ko combattre makambo na kati ya région. Mais Makambwane aussi la commenta qu'il y a toujours des dictateurs là-bas. Makambwane kosa la kaka. Alors, lors de la réunion, le ministre Bemba souligne l'importance d'une coopération renforcée entre les pays membres de l'EAC. Il a mis l'accent sur la nécessité de partager des renseignements et de bonnes pratiques, ainsi que sur la promotion de la diplomatie préventive pour éviter les conflits. Il a évoqué la nécessité d'investir dans le renforcement des capacités des forces de défense de chaque pays pour une réponse efficace aux menaces communes. La République démocratique du Congo entretient des liens étroits avec les pays membres de l'EAC et joue un rôle important dans la stabilité régionale. En tant que grand pays, toujours joué un rôle beaucoup important pour Namakambo Oya l'Est. Yango Mukonzamboka. Azaï Koloba toujours na bateau que bisoza les grands éléphants. Le lobo ko sakana biso me lobby boko sakana biso ti. Nous sommes un grand pays. Alors, Bemba lobby na bango que situation à est ezo singa toza la bomoko me bako zala ndeni bazana hypocrisie. Ndenge bazawana ba mususu bazana bazo bazaka na ba kopre mona motu. Ya kwa kupie mboka na biso. Do, botika mwa ekonomi, boko semba servisi okutu ya militaire, donge zana onka mawa. Me, Bemba kende ki, paske pou le mwa tous ensemble, il fallait kaba kende. Me, ils nous ont rendu un mauvais service. Alors, la question toko développer si kou. Le kona bango baso kite edisi. Et c'est toko za toujours en bonne relation. Point d'interrogation. De développer ma soul. Bande koto tangiwana bemba pesima lo mo kitoko pona ensemble ba ngonyoso. Ndeni ba ko garantir pena na ensemble na katia na l'Afrique de l'Est. Situation oyo esa confuse ke bango bazo sale loko mokote. Alo. Nena awa ba yokani ndeni ba travailler ensemble pona ko combattre insécurité dans l'est du pays. Mais insécurité, c'est un mika que parabiso.
ba pays wana bazana problème ti. Oui, toko tanga Soudan un peu, mais pas tellement, mais pas la question des aggraves. Alors, toko zana bango ensemble comment? Mais la réalité na ngoto koyé ba siko na septembre ao. Quand ils vont quitter la EDC, est-ce que relation est comme ça? Quand ils sont bien solos, ils sont bien solos, tout le monde est ensemble. Je ne suis pas sûr. Ils nous ont rendu un mauvais service. Ils sont bien solos, ils sont bien solos, ils sont bien solos, ils sont bien solos, ils sont bien solos. Dans le cadre, il y a hypocrisie. Pour il n'y a plus rien ne va. Tant que je suis solos, clairement, et tes bambas bon, se mélangent à 1,23. Le look, c'est mon cousin. Je ne sais pas si tu es là. Ça semble tout ça bien. Mais bateau va se faire. Tu as confiance en moi. Ils ont détruit le programme. Ils ont détruit le programme. Ils ont détruit le programme. Mais tu as commencé à niveau. Mais je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Négligence. Yangwe salé, tu es la montée en puissance de FARDC. Donc, mal, je suis même bien. Il y a une photo de la Macambe. Comme la Macambe, toujours, Satan a menacé. Mais au moins, il a menacé. Oh, il faut que je porte mon sou. C'est comme ça dans la vie. Mais, quand il y a un bateau, quand ils vont quitter le pays, est-ce que la réunion est bien accueillie? Et que ça a le sou. Bemba Rokene, la réunion. Point d'interrogation. Parce qu'on rappelle au peuple congolais. Tokenda qui na ESC pour na makambo c'était pour économiquement. Mais makamba est même biso que to comme na niveau sécurité na ba. Alors. Mena bazolinga ba adapter oyo sade ka sala. Chose est impossible parce que parmi e ba yebi ke faut ba stika en sécurité pa pied na EDC. Donc makambo to solo les a zéro pa mususu. Ba on pona banka ka en sécurité kaka. EDC pied na yo. Le karama solo besoin zila et puis tu vois ma kaka donc bango bakufa kaka bande ko zama to zo na point oya suka bokoyo ka comment le 1,23 va réagir à l'est après ba sanction et pesika kutu moi nom ke me yoko ba salibison à l'est mais to zo ya alors bande ko dossier to za ngo pour le moment et zo singa ba congolais to comprendre que biso na batoyo to zo sila. C'est à ce point que je le premier point, parce que, en tout cas, commenter a été pour la bataille, c'est pas bon, mais alors, tu commences à faire un deuxième point. Chers téléspectateurs, tu commences à faire un point, il y a moins de chouchou. Bandeko, à sa condamné à perpétuité, n'a pas de cagnons ou à salir dans le bouc à la bise. Et alors, et ça m'a dit, tant beaucoup, il y a un détail. Manga chouchou a détruit EDC na ba kopne na préserve wandi don mawato. Tambo yoka ba détail bolo ba me. Bandeko Manga chouchou aza vraiment un arbre qui couvre la forêt. A sala ba tante ne ba kopna ye na ba tuna ye nyonso ya Rwanda me ye kuyibana. Alors Manga chouchou condamné. Il y a un détail ministère public. Il y a un problème Syrie. Il y a un problème. Ah! Hospitalité à EDC. Oh, député national. Il y a un milliard. Il y a un foot. Et quand on voit tout ceci, comment le Rwanda a salimbo cannabis? Nana ngwa kosepe. Même à ta motema yango. Manga chouchou, ba pesi ba ouverture, belé à tanke, parlementaire, ba pesi ba opportunité, il a tout fait donc, nambo cannabiso na évité. Jusqu'à ce que, à combien de société, mon groupe privé minéré, qu'on soit, la police rwandaise, qu'on y a tiré la mine naïe, et tout ça, ça a beaucoup choqué les Congolais. Mais nouvelle, qu'on y a verdict, était, à sa condamné, bah, aux années 6 pour qu'on confirme, en haut, soit, bah, ça, la défense, ou comment,
mais aza condamné à perpétuité. Trop c'est trop et puis ba katele ba mbongo osakalati. Ngana eba ki mwanga shushan tu kata kotolo ba komwa shuma kotika iti. Dossier na ye za pena clair et zomona. A trahi e desi na ndiga mukite meto tango. Oh, non, mwanga shushu l'enfant de Kagame condamné Bouyo Kabandiko après tout kouyana nanga. Le ministre public requiert une peine de certitude pénale à perpétuité contre Edouard Mwanga Chouchou. Selon l'officier du ministère public, Edouard Mwanga Chouchou, député national congolais, est reconnu coupable de faits qui lui sont reprochés et mérite une peine de certitude pénale à perpétuité. Yoko vivra. Dans le cadre du procès impliquant le député Edouard Mwanga Chouchou, la République, en tant que les partis civils, a formulé plusieurs chefs de demande de l'audience de ce 25 vendredi 25 août devant la haute cour militaire. Parmi ces demandes figure la déchéance du mandat parlementaire du prévenu à cause de soute silo, la condamnation au paiement de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts. L'avocat représentant, parce que c'est un milliardaire, 4 milliards on est le côté panaï. L'avocat représentant la République a souligné les infractions reprochées à Mwanga Chouchou, notamment trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes, des munitions de guerre. Il a également demandé la confiscation des armes retrouvées à la Semembi et dans la résidence y prévenue, dont un revolver GP et calibre 9 mm, ainsi que la fermeture de CMB en raison de son implication présumée dans les activités subversives et belliqueuses. Bon, quand on a société, bon, comme ça, on a une tactique. Le procès a été renvoyé la semaine prochaine afin de mettre à la défense de présenter ses plaidories. L'accusation poursuit Mwanga Chouchou pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes de guerre. Mwanga Chouchou, Bandeko, reconnu coupable des faits et requiert une peine de servitude pénale à perpétuité. Donc c'est comme ça. Alors, tant que le balo makambaboué, donc, Ezamawa, parce que Asali makamboué belé. Donc, peine de servitude. Et ça peut être bien pour nous. Alors, tout le monde a développé. Bon, après, tout le monde a corné. Si vous avez un lundi, vous avez un lundi. Vous avez un EDC Batikila qui a sala. A comme député, mais à Rwanda. A sala, la société minière, mais à Rwanda. Donc, tout est un peu basse à la quitte. C'est comme ça. Mais tu as le retour au Mwanga Chouchou à Pessibiso. Tu as l'honneur à Zopé sa présence à Rwanda. Et ça, c'est ça. Ton nion, c'est ça là. Donc, et ça, donc, à ça, qu'on exécute hors de Zouta à Rwanda. Jusqu'à ce que, comme Wanga, la même nationalité, il y a le bas à Rwanda. Il y a ça congolais. Non. Pour un bon, Zonga Rwanda. Alors, Aza condamné, donc toujours c'est la confirmation de la semaine prochaine, pour Bango, la personne requiert, le ministère public a requiert à peine à perpétuité, peine on a pas pécié, maintenant, Bazo Zela, Bango va s'appeler défense, et puis va conclure. Mais, par contre, va s'appeler pénage, on paie à salaire. Tu mets tes justices militaires, Bamé a collaxa différence na justice sur tous les traditionnels parce que Ezama Kambo Ezami Nene il a fait il y a un arbre qui couvre la forêt il a trahi ce pays na Kagame donc tout Oya Salaki a son mérité alors Yango Bandeko Bataboye Soko Zota la comment ba yibi yibi ba minere tout ça donne au président Rwanda les Rwandais ont vama et tout ça notre pays est au tika la bongo et pesa ka pasi mingi alors
Manga chute au PC Nyon, ce métal est à pessimisme. Des morts à l'Est, les colocas à Bakolto. Malo. Ministère public à Nobibo a par peine à certitude 4 milliards de dollars. Et puis, bah, quand la société wana, et qu'on fonctionne sous un combat manga chouchou, et comme ta société d'État, dont on peut comprendre, parce que bah, quand la alors, Azako travaille au profit à Rwanda, mais ba minere na aidé sur les gens à la profit à Bissou. Tout a été, ba moni, alors, ba arme en agnon, so ba ou saisir en haut. Oye, ba kanga ki en haut, alors, mande ko botala. Maintenant, tout comme en fin, il y a dossier na ye, maintenant, il y a ben clairement, que manga chouchou, mais c'était un arbre qui couvre la forêt. Alors, Azo méritait peine à perpétuité. Et puis 4 milliards de dollars de dommages intérêts. Et ça m'a un proche de Kagame. Et nous sommes en communication. A collaboré dans le 1-23. Tout le monde va prévenir sur Azakinaï. Alors le ministère public a été structuré. Mais total. Justice Nabiso, toujours, tout critique à chaque fois. Total, ne ma camarade qui n'est pas ce moutabouillé. Il faut que le Kabat pèse à Congolais le plaisir que Kanga Moutou, Namakambo, tu as bébé Sinamboka et Rosala Kitoko. C'est à ses potes, Tigimanga Chouchou, Tokumoke na Kone Nanga. Chers téléspectateurs, Kone Nanga exilé au Ghana. Alors, à sa mena, et pas à Ghana, à se continuer à critiquer Mboka. À continuer au Lomabe. À partir de la bagarre républicaine, il y a des gens qui sont venus à l'Ozare. Il y a des gens qui parce que ma cambo est venu à la gare républicaine. Exactement, quand il y a des gens qui sont venus à l'Ozare. Alors, Moutabo est à moi. Alors, pour le moment, il vit en exil. Mais il continue à l'Ozare. Élection 2018. Je mon tachaki désordre total. Namakambo lelo yo tout ça va député tout ça donc ba on a FCC ba sala ki cop na ba. Mais le to comme wapi. Et tourne ma bepo na ba. FCC n'a plus rien à dire comme pena na si. Ba yakin na makambo ma bi. Mo konta mboka ba saki ndey moti na mentalité le ba travers FCC cash il fallait kay kabo. Nanga na poste na yazaki a président Sini a salima kamu ibele ya mabe sans ko konte ba détournement au ba américain ba zolandaye sans ko konte onyon sa saipo na mboke za mawa tome ako tanga nanga okana l'ancien président de la commission électorale indépendante nationale Corneille Nanga Yobelu a quitté la IDC pour s'exiler au Ghana. Se disant menacé par le régime du président Félix Tshisekedi, M. Nanga est aussi dans le viseur du pouvoir pour avoir évoqué la présence des FDLR à Kinshasa. Donc, Azaona, Azolo qui se bat Kangai, c'est lui qui a reconverti en homme politique et rallié l'opposition à Tshisekedi, explique avoir choisi l'exil par précaution car il se sent menacé par le régime en place, qu'il a cessé de critiquer après avoir été le principal outil de la Kabylie pour installer au pouvoir et priver les vrais, selon Bango, pour avoir les vrais outils de la Kabylie. Donc, Bandeko, les Amawa. Donc, il y a Azaki Pena, vrai outil de la Kabylie. Les Amawa. Un des principaux outils de la Kabylie. Bandeko, Ezamawa, ba salimboka, ba détourne ba mbonga ba élection, ba tche désordre, ba bilo a vote moussouna ba nzela, ko lokota des arrestations et tout ça. Mena ya kiminaye, après avoir ko bebi sa mboka na biso. Allo, tomeka ko développe. Nanga, akomi libanda, akomi loba n'importe quoi. C'est mboka, mais oyongana yebi wazulu wa yabakari republikana za ko insister ki yaza ina ba preuve
que FDLR a contacté la gare républicaine. Mais pourquoi le commenter? C'est parce qu'il y a eu et couper sa moto pour une occasion à y perdre au depuis ma botte là que ma policier a comment qui n'est insécurité depuis ma botte là qui est garde nyonso a comment mon akazé comment peine insécurité y a encore mon équipe a quitté mboko a comme kuna le a comme ko sala ben interview na yi na la réunion na ba on va sango et tout ce qu'ils disent pour les pays. Mais, ma wana biso ba Congolais yango wana. Oso critique mboka no libanda, na pays lokola Ghana, zamawa. Mais, aye ba eti, EDC oyo za ko avance, pe direction zo kende ko koma ko sakana te, yende mouta ko regrette. Position na ebite, pour aller, pour, na lalobani. Pour une coma en fort la politique, il faut des injures. Il faut que le bawana la même chose. Na Kabound, Nanga, la même chose. Mais ma Kabound Nanga soulevait qu'il est très dangereux. C'est pour cela qui m'a dit. Voilà le dossier. Mais Nanga, Azamutumoko, Ayeba et ba Congolais, Bazuluka, Onyon sa Sakimoka Mabi. Bande konangai, tukumo tika, deuxième point na bino, mwanga chouchou, enanga, batu opena ba détruire mboka na biso. Tika wana bino, bino bo komante, tukumo kena point na biso, troisième point. Au chers téléspectateurs, tukumi na point na biso, revanche, ya rébellion, ya M23, après ba sanction américaine. Et puis, trésor américain va publier liste, il y a Bango Nyonso, avec des noms. Tout, le bossé, c'est un nombre, oh, le chef d'état-major, oh, va poser un grade. Mais le va péter une liste, va combo na Bango tout. Oh, yo va sanctionner. Alors, bon, yo kasiko, oh, yo 1-23 va sali après la sanction américaine. L'heure est grave. Bato baza batu mabe bandeko. Ba sanction kui. Ba tangi ba leader à 1-23 ou baza na kati. Alors, bango ba mona kike vrep li kaban basala. Ba pesa pena batu passe na est. Ils sont pris en otage. Ende batu amasisi. Suite na moko zande. Tale ba sanction zo koya pe bango ba sali pena acte a boui. Yan to lwa ki batou, il faut kaka bitumba. Pas de négociation ba américain bo pese on ba sanction na mineur problème, mais o bozo pexa biso te batou, bezalto, par force, sa dekaya batou, il faut ko longo la bango. Et se botage yon bako tsoa bango vivant, point d'interrogation. Do ba tipe na pagay na masisi. Ba ton fuit. Siko. Tanto mon avilo kwa boy. Ba koopera ba toyo, ba ta présent Rwanda. Se zom eske Rwanda. Vraiment. Na bangomo ba américain. Ba zomon wakamu Rwanda ou salati. À la place de cette liste au publié, pourquoi pas lui-même personne à le président rwandais. Et le mine de commande va commenter le bazo banga président rwandais ba américain. Et c'est solo pourquoi bazo banga y ma solo à Kati. Ngano ta ma solo à Kati, ngano ta ma kwa kayo, besan a binisio. O menga ya gobi sa ba secret. Alors, voilà le dossier. Ba gobi sa été. Passe à Zajan, Moutouna Bango. Alors, bas obligé pour ma tsepso. Moi, plaisir, ma banico pesa pesa bo wana moko moko. Six personnes, la plupart, ce sont des Rwandais. Tantôt, talango. Hypocrisie, mais tout le monde a sanctionné des bateaux sur le bateau. Les arrêtons, tant en liste à bateau. Et puis, tout yoka, oyo, 1-23 basali na masisi.
Revanche. Oh là là. Nombreuses personnalités sanctionnées sont de nationalité rwandaise. Liste des sanctions américaines, suivez la revanche il y a 1-23. Tobanda na liste de sanctions. Apollinaire Azimana Akizimana, de nationalité rwandaise, est le commissaire de la défense de FDLR. Le général de brigade Sébastien Umuibazi, de nationalité rwandaise, est leader de FDLR chargé de renseignement. Ruvu Gaimokore Protongone, un ressortant rwandais, dirige le groupe Macab affilié au FDLR, ancien connu sous le nom de commando de recherche et d'action profondeur CRAP. Bernard Nyamungu, de nationalité congolaise, est le commandant, adjoint des opérations et du renseignement du 1-23. Mais il y a Zamouta 1-23, mais pourquoi vous tchayez de nationalité congolaise? On va tomber à ma belle. Mais Aza Congolété, Aza Rwandais. Oh là là. Le colonel Solomon Tolonga, de nationalité congolaise, régiment de Fardis. Le général de brigade Andrew Nyavumba, de nationalité rwandaise, et le chef des opérations Yewana Fotona Eto Tiwana. Chef des opérations. Yepenasom. Alors, de 3e division de RRD, Force rwandaise de défense. Début 2022, la 3e division est entrée sur le territoire de la RDC. En collaboration avec les combattants du 1-23, a attaqué les positions des camps de FARDC, faisant les victimes à leur sein. Donc, va kota ki brusquement, va attaquer FARDC et ça là qui va victime. Voilà ma cambo toujours vivre à l'est. Congolais, tola muka. Tout ça n'a pas de dossier à minene na maboko. Oyo, il faut tout traiter na batu oyo. Ce sont des mots, batu tout ba rwandi oyo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Revanche na banto de côté droite. Plusieurs passagers qui quittaient Kichanga point se seront pris en otage par des éléments présumés de 1-23. En effet, c'est l'organisation Moja Africa, ces passagers qui étaient à moto ce matin du mercredi 23 août 2023 ont été arrêtés et forcés de quitter sur leur moto au niveau du village Rubeshe dans la localité de Burungu à une dizaine de kilomètres de Kilirou. Pour l'heure, les causes de cette supposée prise d'otage ne sont pas connues. Hein, Makambo ma sanction, le flou persiste sur l'objectif de ces hommes armés. Appel à d'urgence à la situation de Rushebebe. Depuis le matin, tous les passants transportés par les motards qui viennent de Kichanga, moi, se sont pris en otage par les éléments du 1-23 au niveau de Rushebebe dans une école avant d'arriver au pont qui sépare la ferme Espoir et Rushebebe alerte l'organisation Imoja Africa. Bah, alerte à nous. Alors, Toyo Kanano Bandiko, extrait Oyo. Il y a otage. Ndegeni ni bato après ba sanction ba yindisi na est bon to avancer les missions na biso. Alors bandeko 40 personnes pris en otage. Bandeko zamawa. Alors toyoka ndegeni ni makamba ngwe lekaki. Ezamawa bandeko. Et puis après tout développer. On enchaîne avec le Nord Kivu où une quarantaine de voyageurs dont des femmes et des enfants sont prises en otage depuis hier dans la région comprise entre les localités de Kilolirwe et Burungu, territoire de Masisi. Des sources concordantes anonymes affirment que certains otages sont gardés dans une école à Rushebebe et d'autres ont été conduits vers des collines surplombant le village de Burungu. Ces sources craignent pour la vie de ces personnes. À Goma, la
correspondance de Gabriel Ouamenia. La plupart de ces voyageurs étaient transportés les uns par les motards en provenance de la cité de Mueso, de Kichanga et les villages environnants sous occupation des rebelles du M23, alors que les autres otages provenaient de Goma en direction de Mueso et des localités environnantes. Selon les mêmes sources, cette situation a créé depuis hier mercredi une vive panique au sein de la population et a entraîné ainsi des vagues de déplacement des habitants de Burungu et environ. Nos sources précisent que les habitants les plus courageux de Burungu, qui n'ont pas pu fuir hier mercredi, viennent de vider les lieux ce jeudi matin. Par ailleurs, le nombre de personnes prises en otage par les rebelles du M23 pourrait aller au-delà de 40 personnes, soulignent d'autres sources contactées dans les groupements voisins de Kamuronza, en chefferie de Baoundé. Jusqu'à hier soir, le sort de ces personnes n'est pas toujours connu à cause de l'inaccessibilité dans ces secteurs, car toute la zone reste totalement sous occupation des rebelles du M23. Plusieurs acteurs locaux craignent pour la sécurité des otages et plaident pour l'implication des autorités afin d'obtenir leur libération. Goma, Gabriel. Alors, bande Kobolande, 40 personnes Oyo, banda jeudi, lelo vendredi, on ne sait pas son nombre si mati passe par lui, plus de 40 personnes. Oyo kaka revanche. Après ma sanction américaine, babi boto au lac Sabino, la ba américaine a battu tout le monde et te biso to continuer ko bomba. Alors, mena ba toza ko banga ces 40 personnes ba ko se retrouver en vie. Bande ko bota la exaction, bota la makamba. Alors, et ça son bande ko. Avançons. Bande ko to landi biso nyonso. Botage yon sa moto ki li rue ki changa koto wana yon so, ah yaka kuna to ulak sa ba Amerikien ki ba pesi yon so ba sanction, tia kuna. Oso mwana bande, en komanda M23 na komanda RDF ba sanction, bango ba monete tal aksyon to ko salangwa RDF M23. Ba tse bango nyon so na sanction, pe bango, ba monete ba kanga ba kongole o ba zoya na ba moto na bango ba ko debrie vi ali shiko kichanga e asaza wa wapi bango ba so kanga ba onde ba kangi bango te vi so na bango te ba otage wana ki si va se passe na ba vi na bango to landi biso yon so ekisile wana alo ezo salama wana ba fami deja izon peur. Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que ce sont des terroristes. Quand ça là, otage ou beaucoup de terroristes, c'est très dangereux. Donc, on a la chance de causer la vie. Parce que bazar sans pitié. Alors, maintenant, botala, dossier à mon aîné. Batoyo, batansi ma kila mini na mboka la biso. Mais le temps est au coma. On va rester bateau to kakamba on a maboko et comme l'heure kwebo mwebo dakati sur Rwanda ate bubule kotiali baba tobani ko loko tabango sikolo ko la bambiso basela kalate tout ce qu'ils font baye baye tele kam kamona sukana. Alors avec ce que l'armée a préparé, la montée en puissance avec l'arrivée de la SADC, to ko détruit bateau total. Mais les alliés qui sont occidentaux, qui permettent de faire des choses. Qu'on peut s'abuser, cesser les faits, qu'on ne va pas entre-temps, ces gens progressent. Et maintenant, et ainsi, en épreuve, il y a un besoin qui est né. On arrête des otages à Kichanga, mais bien au à Kichanga. Bonjour, Sarani. Il n'y a rien. Chers téléspectateurs, dossier où il y a un dossier sensible à mon cannabis, il y a S. Mais, tu y avais des finalités et des accolons à ma toujours sensibiliser ma déconnance. Où est-ce que tu as supporté faire des CBND le Koyati? Tolo à ma cancel, tous ces opposants, mon gona EDC, valable, baza pena, botiko l'anda ma manipulation, tu supporté mboka. Tous à la bisounion se derrière ma conti, ouyo, na armé, te mboka ou keneli bosu. Parce que, tous au monde ne peut pas voir en décile. Humiliation fait si là. Bisou, comment imposer bango? Peut-être comment calater?
Il vit bako vivre yango parce que force obisoto yango na nombre abatu. Donc on va la Chine et l'Afrique. Oui, bah auto comme il pour le moment. Bah pays africain belle bah na ngote. À part l'Égypte, tout ça à peu près deuxième na nombre hommes militaires. Beaucoup fait comme la fierté beaucoup. Bisou moto batte la ba minere, to batte la mboka na biso. Parce que voilà. Ta me ba Amerika ta ba yakina kimba bifo. Ba batte la minere, oyo ya onde ko ide mboka na biso. Ba lobi na ba passe ba kuna ba ati. So wo botte la mboka na minere te talibino. Ba non, to comprendre la marque wana. Alors, ce qui to ta la opportunité pende ezali ete ba konzi. Ba ko récupérer mboka oyo pe ba bandi suku bonsa mboka oyo. Parce que ma kambo ele ki et sa mawa, mais tout élément pour ce pays. Pendez les koyate, quelles que soient les circonstances. Alors, bande konanga, to landi bisounyon soubekse wana, to yukindengini bato, batombo ki ba inventoa li susu, ba kangi ba otage. Alors, entre temps, ba publier liste na bango. Alors, bande konanga, c'est à ce point, to komo clôturer mission na bisou. Bo continue ko s'abonner massivement, bo partager. Au revoir. À la prochaine.